Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Papa Geek. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau Let's Play sur Resident Evil. Et donc là, on est dans une espèce de fonderie. Enfin, une usine, comment ça s'appelle? L'usine, bah ça s'appelle l'usine, voilà, tout simplement. Usine. Usine, j'arrive pas à voir la suite. Heisenberg, je pense que c'est ça, Heisenberg. Donc on a une espèce de monstre avec des espèces de. Comment on appelle ça? Des radiateurs ou je ne sais quoi sur la tête. On a eux qui ont des casques verts. Alors j'ai acheté le petit Scorpio, il est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Une petite arme. Donc là on va utiliser ça vu qu'on en a plein. Et on a eu un petit truc. C'est quoi? Des balles de ça, nickel. Ah, il faut une clé de cheval. Une clé de cheval. J'ai pas de clé de cheval, moi. Non. T'as vu qu'il y a des trucs là, à mon avis, c'est là-dessus qu'il va falloir tirer. Oh bah dis donc, Casburn ça a tiré. On va tirer là-bas là. Bah, il vaut pas. Bon moi bah, tant pis. Voilà, faut être plus près. Et voilà. J'ai déjà plus que 4 balles, enfin 12 balles plus que 4 balles dans le chargeur. On va peut-être en recréer, non? On va recréer, on va recréer. Tac, objet confection. Je vais fabriquer ça aussi. Peut-être ça. Voilà. Est-ce que l'inventaire, on peut le regrouper? Ah, y a pas moyen de tout ranger tout seul. Tac, tac. 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 Et voilà. Donc là, a priori, on peut peut-être ouvrir ça. Si vous voyez de l'autre côté. Alors ça, c'est énervant, ça. Parce que je veux bien que ça soit verrouillé de l'autre côté, mais j'aimerais bien savoir comment on y va, surtout. Oula! On va préparer ça tout de suite.
Oh Dieu, je vais en foutre une là. Une là. Une là. Et une là. Allez, encore une là. Allez, chacun la sienne. Tac, maintenant je vais en reprendre 3. Une là. Une là. Et une là. Jamais. Ouais, si j'utilise pas tout, c'est pas grave. Hein. Donc là, on revient ici, ok. Là-bas. Ça, c'est la porte qu'on pouvait pas ouvrir tout à l'heure. Okay. Là, on va pouvoir y aller. Il manque une pièce. C'est mal fait ça. Pas tirer parce qu'il y a un mur. Les plans de l'usine. C'est un truc. Oh là là. Tous morts? Ah ouais mais merde. Du coup ça m'a tout pété mais... Il y en a qu'un qui s'est réveillé. On va laisser ça comme ça. Ça j'ai récupéré du coup. Je vais en mettre un au fond. Comme ça, s'il y en a un qui se réveille, on va le mettre ici. Et là, ça va arriver. Oh, Ethan, quelle déception. Je pensais qu'on pourrait unir nos forces contre cette salope de Miranda. Alors, attends, on va prendre ça tout de suite. Je suis vraiment, vraiment déçu. Ah, si, tu n'aurais jamais dû me dire non, Ethan.
Quel taré! Alors, tac, par là. Pars vite les balles, hein, putain. Et là, attends. Putain de taf! Quel boss! Oh l'enfoiré, il m'a fait flipper! Eh oum! Five! Oh la vache! Donc là, je vais appeler. Le duc, normalement, je pense. Ah, le duc, tu vas... Le pognon, ça va y aller, là. Ça te fait des couilles en or. Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveaux services. Vas-y, vas-y. Oh, vous tombez bien, je commençais justement à m'ennuyer. Donc on va t'acheter des balles et tout, mais déjà. Les yeux fermés. Et je le fais pour voilà, ça peut vendre des choses. Vous n'avez pas mieux voilà, à me nickel. Proposer. Donc ça, on va l'augmenter. Ah non, c'est pas ça que je veux augmenter. C'est le scorpion. Ah ah. Voilà, maintenant on va acheter des balles. On va acheter pour bon, pas mal. Balles de pompe, pareil. À 50 000, tu vois. 50 000, je peux avoir un nouvel emplacement. Très bien. On économise le reste. À la prochaine fois. C'est tout. Oh la raque. Moi, je croyais que ça allait me donner plus de trucs que ça. 20 balles. Ouais, t'es un arnaqueur quand même, toi. Je tiens à te le dire. Je suis pas très content. Quel arnaqueur. Je croyais me filer plein de balles. Il y a encore du chemin. Miranda, nous ne sommes que des enfants.
Oh, c'est pas qu'elle nous aime. Ça, non. Elle a perdu son humanité depuis longtemps. Tu vas arrêter de me saouler avec tes histoires de famille ? T'as raison, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Sérieux ? Voilà. Voilà. Par contre, tout à l'heure, il y avait un mur là, j'aurais pu l'ouvrir. Ah, une espèce de scintillement là, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est à cause du radiateur. Et c'est bon. Oh là ! Un autre modèle ! Tac. Donc ça déjà c'est bien, c'est, ça bouge plus. Au mieux si on est mort. Dommage, les balles de Magnum sont terribles, mais j'ai pas le plan encore pour les créer. Carte de l'usine. Ouais, tac. Ah.
Ça m'amène dans une pièce secrète, a priori. J'espère que je peux retourner en arrière. Là. Hop. Pièce secrète. Alors, on a ça. On a rien. Là, on a un truc qui peut être intéressant. Ah bah, c'est un moule. Ok. Ici, y a rien. Ok. Voilà. Ah ouais, la vache. Heureusement que je le tiens. Hein. Ah, s'il a la tête coupée ou quoi, il peut la recoller. Mais c'est pas passé loin. Donc là, il y a quelque chose ou pas ici? On va aller voir. Ouais, il y a ça. Et il y a ça. Ah, et puis il y a un machin là. Tu vois, j'avais même pas vu. À mon avis, on est pas loin de la fin du boss. De ce monde là. Alors quoi, il faut sauter? Non, faut aller où? Par là? Ça va, il y a un truc qui m'empêchait de tomber. Bientôt, elle commencera sa cérémonie avec ta rose. Si ça se produit, c'en est fini. Pour ta fille et pour tout le village. Mais ne t'en fais pas. Je l'en empêcherai. J'utiliserai Rose pour tuer Miranda. Pauvre papa. Tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant. Tu veux Rose? Et c'est un peu pour voir. Oh, la menace à deux balles. La menace à deux balles du monsieur. Ah, ça continue. Attends, mais il est long ce niveau. Un truc de fer à cheval ici. Bah oui, il faut que je retourne au niveau 1, non? Et ça, y a rien. Donc je moule. Bah oui, il faut que je retourne au niveau 2 ou 1. Je sais pas. On va voir. Peut-être niveau 1. Déjà, j'ai trop vendu des trucs. Oui, oui. Par contre, je me ferai pas avoir là, je vais pas me faire arnaquer. Déçu vraiment? Ça me paraît pourtant parfaitement honnête. Donc ça, c'est bon. Ça, je peux l'améliorer encore. Ça, je peux l'améliorer. Hmm? Quoi? Ah mince, oh, je voulais améliorer c'est le... C'est terminé. Le coffre, enfin le truc. Bonne journée. Mince, la vache. J'ai complètement zappé. Ouais, save. Ah, je peux pas encore. Alors, je trouve le début du jeu était vachement flippant et tout, avec le village, les loups-garous.
Mais plus ça va, plus ça devient cool, ou je ne sais pas. Enfin, c'est une impression peut-être. Non, on va aller au 1. Je pense. On va aller au 1. Par là. Là, il y avait un truc, là, tout à l'heure. C'est la boule. On ne l'a pas encore. C'est sombre. Oula. Attends, il est où le truc pour mouler là? Mouler ça en attendant. Ça permet vachement de mettre des pièges. D'accord, donc j'ai la boule. Et maintenant, je mets ça. Par contre, j'ai eu un truc là. Un mécanisme. Ah d'accord, combinable. Combinable avec quoi? Mystère. Voilà, j'ai la clé de cheval. Alors la clé de cheval me permet d'ouvrir cette porte là. Elle se trouve ici. Pour pouvoir l'ouvrir. Donc j'y vais tout de suite. Ah bah c'est avec ça que ça se conf... ça se machine. Alors, tac. Donc maintenant on va retourner à la boule. Et on va pouvoir acheter l'amélioration du... Alors est-ce que c'était là? Ouais, c'était là. Et on passait par là. Par là. Est-ce que j'ai le bon sens de l'orientation? Dégage.
Non, pas par là. Par là, non. Non, c'est pas par là. Ça me dit rien. Bon, moi, je viens de là. On va essayer, on verra bien. C'est quoi ça? Ça lui fait rien. Oh la vache! C'est casse-burne! Bon, maintenant je vais remettre ma petite boule. Ici. Eh merde. Pas évident en même temps. Voilà, mais on redescend là. Mais voilà bas. Ah merde. Quoi ce système là? Il est dur celui-là. Comme casse-tête. Il y a plein de trous. T'es sûr, j'ai pas regardé. Je passe en train ma vue. Mon avis, c'est pas vers le bus qu'il faut aller. Hein. On va essayer autre chose. Allez, 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 allez. Voilà, on peut descendre ici. Ah non, ça marche pas. Tant pis. Je voulais tester, hein. C'est jamais. Il va me faire chier ce niveau. Je sais pas vous, mais moi, il va me faire chier. Tac, tac. Oh là là, il a trop accéléré. C'est mal fichu parce que tu vois rien dans celui-là. Oula. Oh.
Hop là. D'accord, ouais, c'était ça. Oh la vache, il est chaud, lui. Tout ça pour ça en plus. On va le donner au gros là. Vous voulez acheter quelque chose? Une personne bien portante, on va dire. Ou qui mange bien la cantine. Oh, où avez-vous déniché une chose pareille? Voilà, ça s'est amélioré. Tac. Augmente la capacité. Ah, vous avez hâte. On va le prendre. Hein. Au moins c'est fait, on n'en parle plus. Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, je vous souhaite de faire bonne route. Maintenant, retourne en B3. Ah! Vous avez vu ce que j'ai vu? Retourne en B3. Bien visé. Là, je vois rien. Alors, est-ce que je peux la viser de là? Faites attention de ne pas gâcher vos munitions. C'est bon. Bah, tu me diras que t'as raison, peut-être que je vais t'acheter des munitions. Ouais, mais t'es un arnaqueur, toi. J'en ai 12 pour tuer le boss. Ça va être tendu pour le boss. Hein. Tiens, je peux en fabriquer. Je suis bête. J'ai dû en acheter. Voilà. Je t'achète rien du tout. Voilà. Et là, mon ami, il y a le boss. T'es vraiment un coriace, toi. Mais trêve de bavardage. Il est temps d'en finir. Tu peux l'entendre, pas vrai? Il y a quelqu'un qui t'attend. Ok. Je sais pas si je sauvegarde. Je sais pas si ça doit prendre en compte ou pas. Donc. On va sauvegarder dans le doute. Je sais plus si tu meurs, tu reprends au point au checkpoint ou tu reprends ta save. Alors, en doute. Tac. Comme ça on n'en parle plus. Oh là là! Connerie! Laisse-moi tranquille! Ah, mais attends, t'es marrant toi, je vais où moi? Bon, passé! Voilà.
Oh, il fait mal. Hop. Tac. Laisse-moi tranquille, là. Reviens pas! Elle était balèze quand même. Ah, c'était que le niveau t'es vachement. T'as vachement pas de place quoi. Miranda est ignoble, ça pourrait être une bonne limite. Donc là, il nous reste un boss, a priori. À part si on doit affronter le mec, là, Heisenberg, là. On doit avoir un pouvoir hein, si on. T'as vu ce qu'il a dit le mec? Je me rappelle pas qu'on avait un pouvoir moi. Dans le set. Ouais, bon, ici c'est déjà fait. Ah non, c'est pas fait ici. C'est quoi? Ah, il y a l'autre avec les boulons. Pas mal! Pas mal, Ethan! Tu es tenace! Mais j'ai une rébellion à mener! Alors ôte-toi de mon chemin! Oh la vache! Et que je te renvoie! Jamais!
Eh ben non, à mon avis, on va l'affronter. Hein. Espèce d'enfant. Oh putain! Encore! Laissez tomber, Ethan! Tu nous gênes! Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as tué ma femme, sale ordure! Tu crois que je tuerais Mia? C'était pas elle. Ah bon? C'était Miranda. Quoi? C'est une arme biologique. Elle a changé son apparence et elle s'est fait passer pour Mia. Apparemment, elle a survécu, donc je suis là pour finir le boulot. Tu te fous de moi? Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite? Parce que je savais que tu voudrais t'en mêler. Cette mission est déjà assez dure sans avoir de civils dans les pattes. Tu prends un civil, hein, quand même. Tu tues tout le monde. Pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe, putain? D'accord, Ethan. D'accord. Je te dois une explication. Passe-moi cette clé. En résumé, Miranda est complètement tarée. Et ce village, tous les monstres qui y habitent, c'est l'œuvre de sa vie. Une sorte de grande expérience sur la moisissure. La moisissure? Comme en Louisiane? Putain de merde! Et tout ce temps, moi, je pensais pouvoir sauver ma famille. Je peux pas sortir d'ici. Je peux rien faire! Non, pas forcément. Regarde ça. Mes hommes m'ont envoyé ces images à l'instant. Regarde la suite. Rose. Putain, faut qu'on y aille. Plus calme, mes hommes surveillent la situation. Mais elle a ma fille. Je crois que tu saisis pas. Tout seul, t'as aucune chance contre Miranda. Je vais rester ici pour placer des explosifs. Prends cet ascenseur, je te retrouve en haut. Je te promets qu'on récupérera ta fille. Ensuite. Okay. Un peu qu'on va le faire. Et quand je trouverai Miranda, je lui ferai la peau. Très bien. Alors prends ça. Et rends-moi service. Te fais pas trop remarquer. D'accord. Je ne peux plus reculer. Ça va garder déjà. Il y a des trucs à prendre ici ou pas du tout? Alors, tac, on va fabriquer des armes parce que je le sens bien. Ça va castagner et on peut rien faire. Très bien. Bon, moi ça va castagner comme ça. Hein. Donc, il m'a dit de prendre ça, c'est ça? Je peux le prendre? Ouais, je peux le prendre. Composite métal polymère. On va combattre le feu par le feu. J'arrive, Rose. Ok.
un misérable cafard. Tu penses pouvoir m'affronter? Miam. Ce sera mon échauffement avant de tuer le club. On est que ça. D'homme à homme. Ton cadavre rejoindra les rangs de mon armée. Il est temps d'en finir. Le papa de Rose va bien. J'imagine que c'est la force de l'amour paternel. Appelez-moi devant mon corps cassé. J'imagine que je dois te laisser à cette gomme de Miranda. J'ai juré avec le pouvoir qu'elle a donné. C'est ce que j'appelle être un bon fils. Tu sais ce que ça fait de passer toutes ces années sous la coupe de cette connasse. Les villageois ne sont qu'ils vont leur tour, Nathan. Fini de jouer. Eh ben dis donc, t'as de l'action maintenant. Et on a eu ça. Fin du spectacle, Mark Heisenberg. Ethan, c'était quoi ces explosions? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué Heisenberg. Maintenant, je vais trouver Miranda et récupérer Rose. N'y va pas sans moi. C'est trop dangereux. Attends-moi, d'accord? Ethan. Rose? Ethan. Ethan, réponds. Mia? N'est-ce pas Mia? Notre fille. Elle compte tellement, n'est-ce pas? Elle est tout pour moi. Pour moi aussi. Sans Heisenberg, tu n'as plus de piste. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, mais je vais sauver Rose. Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi. Pauvre état. Qui es-tu? Où est Rose? Miranda. Ça suffit. Te souviens-tu d'Evelyne et de son pouvoir sur la moisissure? Rose est son successeur.
Non. Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyn. Elle deviendra capable de contrôler les masses. Il me la faut à tout prix. Va te faire foutre, pauvre taré! Calme-toi. Rose sera sauvée. Le Mégamycète nous garde tous en mémoire. Cependant, elle renaîtra comme ma propre fille. C'est ma fille, c'est pas la tienne! Où est-ce que t'es? Montre-toi! Pourquoi Rose est-elle si spéciale? Est-ce à cause de ses parents? Il est vrai que tu es un cas à part, mais tu n'as plus rien à m'apprendre. Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye. Miranda, espèce de lâche. Allez, amène-toi. Ne t'inquiète pas, Ethan. Ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du Mégamycète. Il a retiré le cœur. Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard. À l'aube prochaine, la cérémonie sera achevée, et je deviendrai alors sa vraie mère, liée pour l'éternité dans le sang. Voilà, s'il survit... J'ai attendu si longtemps. Mon rêve va enfin se réaliser. À travers Rose, je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant. On a fini le jeu ou pas, là? Capitaine, je vous confirme qu'Ethan Winters est bien mort. Ah ouais, j'ai bien récupéré le corps, mais j'ai des preuves, tout est enregistré. Partageons nos écrans, que je t'explique la situation. Avec mon équipe, on a été imprudents. Hier, on a lancé l'assaut sur Miranda. Mais elle a survécu. Qui aurait imaginé qu'elle pouvait se faire passer pour un cadavre? Comme Miranda aurait pu infecter Ethan, j'ai décidé qu'on l'emmène aussi, en plus de Rose. Mais le véhicule dans lequel ils étaient a été attaqué. Quand je suis arrivé sur les lieux, Ethan et Rose n'étaient plus là. La dernière fois que j'ai pu contacter Ethan, j'ai entendu Miranda. Elle l'a tué. Et je jure qu'elle va payer pour ça. Et c'est même pas s'il aurait pu sauver sa gamine. Ça s'arrêtera quand? Quoi donc? La mission? Tout ça, 3 ans à essayer de mettre fin à cette merde. 3 ans de trop. On l'aura, capitaine. L'escouade est prête. BSA est déjà là. Ils ont pas perdu de temps. On change nos plans? Non, on fait ce qu'on a dit. On élimine Miranda et on sauve Rose. C'est la mission. L'échec n'est pas une option. On va enfin pouvoir s'amuser, comme au bon vieux temps. On y va. Compris. Oui, dommage, Ethan, il est mort. Je veux savoir ce que le BSA a foutu ici. Vois ce que tu peux trouver. Compris, je m'en occupe. Ça fait un bail qu'on s'était pas battu ensemble, donc voilà, capitaine. On est C'était quand la dernière fois? Le désert? À force de faire de la reconnaissance, j'ai perdu la forme. Ouais, mais grâce à ça, on sait ce que Miranda mijote. N'empêche, j'en reviens toujours pas à quelle bon, bah, cette vidéo sera peut-être un peu plus longue. Et le fait qu'elle ait encaissé 5 tirs dans la tête, on en parle? Flippant. Là, je dois être à la fin. Hein. Je vais pas couper la vidéo si ça dure 20 minutes la prochaine. Autant finir maintenant.
phare. Regardez ça. Là, ça part en cave du team maintenant. Le BSA. Ils vont trop loin. Ravage. Ça a l'air chaud là-bas. Comment comptez-vous atteindre l'objectif? D'abord, il faut se débarrasser de ce truc. Je vous couvre, capitaine. Au travail. Faites tous attention aux armes biologiques. Compris. Contact établi avec un groupe d'armes biologiques. Ils sont plus nombreux que prévu. Attention. Attends, on n'aurait pas pu avoir Chris dès le début. Déglingue tout en deux secondes. Route ouest dégagée. J'y vais. Bien reçu. L'armée, quoi. Du BSA à repérer. Deux gardes. Je peux m'en charger. Pas de risque inutile. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout ça, c'est du mutamycète. C'est sûrement là que Miranda se trouve. On y va. Chef, c'est moi. Je suis en train de préparer le tir d'appui. J'en ai pour une minute. Compris. Ici Toundra. J'ai laissé du matériel dans l'une des maisons, capitaine. Servez-vous. Call of Duty. Underrise, t'es toujours avec moi. L'objectif est de sauver. J'ai jamais entendu parler d'une colonie de mutamycètes aussi grosse. Ça y est, je suis dans la cible. Oh la vache, c'est énorme. Lobo, je t'envoie les coordonnées. Ok, bien reçu, chef. Bingo! Et voilà! Je recharge. Juste une minute. Un groupe se dirige vers vous. Je recharge. J'en ai pour un instant. Ok, c'est prêt. Où est-ce
armes biologiques. Vous avez raison, capitaine. Ils sont là pour le Megami 7, eux aussi. Prenez ça. Bien. Le Megami 7 doit être là-dessous. Oh, vache! Megami 7, là. Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker, et... il n'y a aucune trace de modification génomique, contrairement à la série E. Ce truc est né ici. La grille, c'est encore. Alors comme ça, on garde le Megami 7. Ah, rien. Lobo, j'en ai un balèze là. Il va me falloir un shooter. Chef, vous êtes shooté. Il y a une ouverture au-dessus. Utilise ça. Ok, j'arrive. Venez-vous en attendant. Balèze, lui, hein. J'suis juste au-dessus, chef. Ok, je vais t'indiquer la cible. Je vais un second de répit. Ça a marché. Charge. Juste une minute. Arme ok, capitaine. C'est bon. Quand vous voulez. Je continue. Vous autres, restez en surface. Allez donc. Donc si Miranda était la fausse Mia... où est la vraie? À mon avis, Miranda s'en est débarrassée. Il y a des choses qui m'échappent. Comment Miranda a appris l'existence de Rose? Peut-être que son petit doigt moisi lui a dit. On verra ça plus tard. Concentrez-vous sur la mission. Je l'ai trouvé. C'est le Megami 7. Ici Alpha, j'ai localisé le Megami 7. Ça y est, on va enfin pouvoir en finir. Et c'est pas trop tôt. Explosif N2 en place. Cette charge devrait rayer le village de la carte. On fout le camp et on fait tout sauter. Pas avant d'avoir tué Miranda. Je vais être sûr de l'avoir cette fois. Elle est pour moi. Bien reçu, on bouge pas. Capitaine, j'aperçois Miranda sur le lieu de la cérémonie. Restez à distance. Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre. Je sais que c'est trop tard maintenant. Mais je crois qu'on aurait dû parler du plan à Ethan. On n'avait pas le temps. Et Miranda ah, est passé à l'action plus tôt que prévu. Quand même, vous auriez dû le mettre au parfum. Ouais. Ça doit être le labo de Miranda. Alors, Infinité... Ah, d'accord. D'accord, ça parle de chacun des personnages. Ah bah attends, il faut peut-être que je les ouvre tous. Et celui-là.
Et avec ça qu'ils contrôlent les armes biologiques. D'accord, elle était normale comme ça avant. Spencer. Ici. J'y crois pas. Par contre, elle n'a rien à voir avec celle qu'on a vue dans le champ, là. Elle est blonde, j'ai l'impression. C'est plutôt pas mal, en plus. Hein. On va devenir taré. Les mains en l'air! Amber Eyes, ici Alpha, dis-moi où est Miranda. Sur le lieu de la cérémonie. Je sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle y est toujours. Bon sang. C'est vraiment toi. Je suis content que t'aies rien, Mia. Pourquoi t'es ici? On m'a capturé. Pour faire des expériences. Attendez, vous avez dit Mia? Mia Winters? En personne. Comment ça se passe là-haut? C'est un peu la guerre, mais ça va, on se débrouille. Vous laissez pas distraire. Tenez-vous-en au plan, je me rends à la cérémonie. Attends! Tu comptes me laisser ici? Tu nous as fait une promesse! T'as dit que tu nous protégerais. On a fait tout ce que t'as demandé. On est même venu vivre ici! Et ça m'était égal. Tant qu'on pouvait rester ensemble. Alors réponds-moi, où est mon mari? Où est ma fille? Ethan est parti. J'ai pas pu le sauver, mais je peux encore sauver Rose. Suis-moi. C'est con, hein, Ethan, il a survécu à plein de choses. Et puis il meurt comme ça. Il est mort. Je suis désolé, Mia, mais faut partir. Il faut qu'on détruise ce village. Non, tu te trompes. J'ai essayé de garder ça pour moi, mais... Tu ne comprends pas à quel point il est spécial. Hein, moi, Ethan? Ah, il s'est coupé une main. Trompe. J'ai essayé de garder ça pour moi, mais... Tu ne comprends pas à quel point il est spécial. Hein? Moi, Ethan? Il y a quelqu'un. J'ai froid. Comment je suis arrivé ici? Miranda... Je dois encore sauver Rose. Et non.
t'étais pas Miranda. T'étais déjà mort. Non, non, qu'est-ce que tu racontes? Je peux encore... Tu vois? Miranda t'a pas tué. À aucun moment t'as trouvé ça bizarre? Malgré toutes les blessures que t'as subies? Oui, c'est clair. Il y a 3 ans, chez les Baker, t'as été tué par Jack. T'es mort là-bas, il y a 3 ans. Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu devrais même pas tenir debout. M'embrouille la tête. Tu devrais pas tenir debout. Ta gueule! Qu'est-ce que je suis? J'ai fait tout ça. Ça, on se demandait pourquoi ça marche, pousse et tout, tu m'étonnes. Ah bah, je suis avec le duc là. Enfin il se réveille. Où suis-je? Dans ma roulotte. Vous faisiez un cauchemar. Duc. Votre combat contre Heisenberg valait le coup d'œil. Mais je n'imaginais pas voir Miranda. J'étais inconscient longtemps. L'aube va poindre. Duc, rendez-moi un service. Amenez-moi à Miranda. Je m'y attendais et nous sommes déjà en route. Nous arriverons sous peu. Merci. Mais Ethan, êtes-vous bien sûr? Votre corps, comment dire, tombe en morceaux? Question idiote. En parlant de questions idiotes, putain, mais vous êtes qui? Même moi, je ne puis répondre à cela. Nous y sommes. Je vous refoudrai ça. Monsieur Winters, je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vivants. Êtes-vous prêt? Bah ouais. Ouais. J'ai pas le choix. Faut que je me dépêche.
vais pas t'acheter des balles et compagnie là avant que tu partes. Et... C'est votre dernière chance. Alors déjà je vais voir si je peux te vendre des trucs. Ça je peux te le vendre, ça je peux te le vendre, ça je peux te le vendre, ça je peux te le vendre. Et ça je peux te le vendre. Oh, oh, l'union entre la vie et la machine. Je sens encore l'esprit de Lord Heisenberg. À cause de toute cette agitation, j'ai perdu un territoire entier où faire des affaires. Voilà. Surtout, soyez prudent. Merci. Sauvegarder et on est parti pour défoncer le cul de Miranda. Cassez-vous. On n'a pas le temps d'affronter les petites bestioles. Ça dégage. Dégage. Je continue. Oh, ma petite Eva. Ma fille adorée. Viens à moi. Eva, c'est toi. Oh, tu m'as tellement manqué. Quoi? Mon pouvoir m'abandonne. Rose. Miranda! Intéressant. Ton corps n'est décidément pas normal. Rends-moi Rose. Tout de suite. Tu verras. Une fois que je t'aurai achevé, tout sera... Ethan, maintenant! Casse-la! J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment. Tu essaies de me l'enlever. Je vendrai ce qui me revient. Tous mes désirs seront comblés. Oh, c'est à moi. Alors, comment il est le boss? Et elle? Alors, tac, ça va partir. Tu as anéanti mes pseudos pour réveiller le glorieux Megamistec. Oh, ne t'en fais pas, la petite rose. Je te promets de la rendre vraiment très heureuse. Tu veux donc mourir en paix. Et pour tu sais ce qu'est l'amour. Ne crois pas que tu es sorti. Comment peux-tu m'en priver? Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne, que Rose et ma fille? Le Megamistec m'a sauvé du désespoir. Il m'a conféré ce pouvoir magnifique. Ouais, c'est ça. Ça t'a surtout rendu cinglé. Subis la colère du dieu des ténèbres. Va te faire foutre! Meurs! Meurs! Meurs!
Damn Zed. Ah, attends, y'a pas des grenades là? Ethan! Ethan! Allez, Ethan! Allez, Ethan, lève-toi! Chris. Ethan. T'as réussi. Tu l'as eu. Je crois. Mais aussi. Ethan. Il faut qu'on bouge. T'arrêtes pas, Ethan. J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Regarde-moi. Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai. Bon sang. Il y a Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends? Vivante. Mia. Je suis désolé. Soin de Rose. Hé, hé, hé. Tu lui diras toi-même. Allez, viens, on n'est plus très loin. Veille sur elle. Apprends-lui à être forte. Ah, et merde. Il y a des couilles, hein.
Allez! Allez, on décolle! Vite! Chris! Où est Ethan? Dépêche-toi! Il faut qu'on s'éloigne! Non! Hors de question qu'on s'en aille sans mon mari! Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises où est Ethan. Jamais il nous abandonnerait. Allez, dis-moi ce qui se passe. Où est... C'était quoi? Je t'ai demandé de t'asseoir. Non. Où il est? Chris! Dis-moi ce que tu as fait! Il est mort! J'ai essayé. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper. Je suis désolé. Capitaine, faut que vous voyiez ça. Le BSA n'a pas envoyé de soldats. C'est une arme biologique. Bon sang, à quoi il joue? D'accord. Vos ordres, capitaine? Rassemble toutes les squads. Direction le QG européen du BSA. Quelqu'un doit payer. Eh ben dis donc. C'était pas mal cette fin. Et voilà. On a fini Resident Evil Village. J'espère que ce jeu vous aura plu, ce let's play. N'hésitez pas à me suivre sur mon YouTube, sur mon Twitter, ainsi que sur mon groupe Facebook Family Geek. Je vous laisse mettre un commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit like, et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain let's play, et je vous laisse sur cette vidéo. Ciao, ciao! Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Heureusement, ses parents qui n'avaient cessé de la chercher finirent par arriver. Avec une rage débordante, son père affronta la sorcière tandis que l'amour de sa mère brisa le maléfice. Mais la sorcière était puissante. Le père cria « Sauve notre fille !» La mère mit donc l'enfant en lieu sûr pendant que la forêt brûlait. Aujourd'hui encore,
Cette forêt calcinée est un triste rappel du sacrifice du père. On dit même que les enfants qui regardent trop longtemps cette terre carbonisée seront à jamais hantés par le cauchemar de se perdre en cueillant des baies. Because of you.
magnifique. Tu penses que le garçon arrivera à toucher la Lune? Mais personne peut toucher la Lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fusée. D'accord, alors là, oui, peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide. Tu penses que le garçon arrivera à toucher la Lune? Mais personne peut toucher la Lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fusée. D'accord, alors là, oui, peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide. Salut, papa. Joyeux anniversaire. Désolée de ne pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est? Évidemment, quand on parle du loup, le devoir m'appelle. Je t'aime. Ouais, j'ai trouvé. À ton avis. Justement, aujourd'hui. On a un problème. On a besoin de toi, Evelyn. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow, je plaisantais, Rose. Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. On la neutralise? Laisse tomber. Je peux gérer. C'est qu'une gamine. Faut que t'apprennes à te contrôler, Rose. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Je sais.